Qu'est-ce que c'est ? Zéro ? Zéro ? Non ! C'est dingue, ça ! J'hallucine ! Pourtant, le louche est là-bas ! C'est pas vrai ! Je crois que j'ai compris ce que le louche et les autres ont voulu faire. Ne tirez pas! Je vais m'occuper personnellement de son cas! Oh. C'est ça! À toi de jouer, chevalier masqué! Oh. Oh. À qui crois-tu avoir affaire? Nous y voilà. Tu vas devoir me tuer comme tu me l'as promis. Tu es vraiment sûr que c'est ce que tu veux? Le plan a fonctionné. En jouant au tyran, j'ai concentré sur moi toute la haine du monde. Ma mort brisera ce cercle maudit, et l'humanité pourra enfin repartir sur des bases saines. La légende du chevalier masqué est toujours vivante au sein de l'ordre des chevaliers noirs. Et Schneisel est soumis aux ordres de Zéro. Mon vœu sera accompli. Les dirigeants du monde entier se réuniront autour d'une table, non pour un bras de fer militaire, mais pour un dialogue de paix sans armes ni violence. Nous y sommes. Oui. C'est l'heure du Requiem pour Zéro. Le monde de C nous a appris quelque chose d'important. C'est que tout le monde rêve d'un avenir digne de ce nom. Ça nous a appris aussi que le guise d'une certaine manière est comparable à un vœu. Il nous force à demander à quelqu'un d'accomplir une mission qu'on ne peut pas soi-même mener à bien. C'est ce que tu appelles un vœu? Ainsi, c'est à mon tour d'obéir au guise de l'humanité et d'exaucer son vœu le plus cher. Donner à ce monde un avenir. Lelouch, tel est le prix que tu vas devoir payer pour avoir fait usage de ton guise. Ceux qui s'arrogent le droit de vie ou de mort sont ceux-là même qui ont le plus de chances d'être tués. Ne tremble pas, Suzaku. Tu es Zéro, le sauveur, celui qui a vaillamment libéré le monde des griffes de l'infâme tyran, Lelouch V. Britannia. Non, Lelouch. Cette gloire sera aussi un poids que tu porteras toute ta vie. Tu ne quitteras plus ce masque que tu portes et tu devras endosser bien des responsabilités. Tu ne seras plus jamais Suzaku Kurorugi. Tous les plaisirs du quotidien, tu devras les sacrifier au bénéfice de ta cause. Jusqu'à la fin. Pour toi, Lelouch, j'accepte de me soumettre à ce guise. C'est lui. Là, devant nous. C'est Zéro.
T'avais pas le droit. Moi, tout ce que je voulais, c'était qu'on soit ensemble. Je veux pas d'un avenir sans toi. Ça n'a pas de sens. Et voilà, Lelouch. Le monde se porte beaucoup mieux depuis ton sacrifice. Tous les moyens auparavant investis dans la guerre sont maintenant appliqués à la lutte contre la famine et la pauvreté. Tu as été rendu coupable de presque tous les crimes. Je suppose que c'est plus facile d'accuser un homme avec un nom et une histoire plutôt qu'un système. Enfin, ce n'est que mon avis. Ce qui est sûr, c'est que grâce à toi, les gens ne sont plus prisonniers de leur passé. Ils sont libres d'aller de l'avant. Je me demande si tu es en train de rire à l'idée que tout s'est passé exactement comme tu l'avais prévu. Bien sûr, il reste encore des détails à régler, mais je crois qu'on peut quand même dire que tu as réussi ton pari. Celui qui possède le Gis, le pouvoir des rois, est voué à la solitude éternelle. Mais je ne crois pas que ce soit le cas pour tout le monde. Hein, Lelouch ? J'ai pas raison ?